بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa duha wa layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal akhiratu khayrun laka min al-ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Chers frères et sœurs, si arrivez, vous demandez-moi un conseil. Vous dites-moi comme ça, donne-nous best conseil, qui meilleur conseil qui est capable de donner. Et aussi pareil, si vous avez pour donner un conseil à quelqu'un, et ça dit que est bien proche avec vous, il peut demander nous, qui grand conseil qui est capable de donner. Normal, nous pas pour tirer dans la tête pour nous. Nous besoin rodé dans l'islam, côté ena sa meilleur conseil là. Et qui s'en a fait donne sa meilleur conseil là. Meilleur conseil, c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala. À qui s'en a? À meilleure créature. Qui s'en a sa meilleure créature là, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si nous lui rodons un conseil, nous rodons avec Allah. Le Créateur, nous aimons nous rab, et lui donne meilleure créature, l'olaté et sa conseil là. Quand Allah fin donne sa conseil là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient prophète à l'âge de 40 ans, il commence à gagner wahi, mais un certain temps, après qu'il fin gagner le premier wahi, wahi fin arrêté. Une révélation fin arrêtée. Et quand ça va une révélation là fin arrêtée, le prophète fin gagne tracas. Peut-être Allah en colère avec lui. Peut-être Allah peut dire non, arrêtez à ce wahi parce que le prophète il finit qu'on valeur à cette chose là. Parole Allah peut révéler, peut descendre le lit. Et ça fin donne lui panique. Il commence à gagner tracas. Et aussi il fin malade un certain temps. Qui n'est pas capable de lever pour faire namaz tahajjud. Faraz, namaz tahajjud, c'est faraz de Rasul sallallahu alayhi wa sallam depuis le commencement même, sa mission. Et quand il n'est pas levé à soi pour faire namaz tahajjud, normalement, il y a un voisin, voisine, je te connais, comment un voisin, voisine peut vivre. Un petit mouvement, je tente, surtout la case longtemps, tu es prêt. Qui s'en a t'y voisin avec le prophète, c'est ce tia-tia Abu Lahab. Abu Lahab, qui s'en a? Il fait une malédiction à Allah. Quand les chiefs envoient, la poussière, les prophètes, ils disent, Ali Hadha Jama'atana, pour sa raison-là, qui te veut rassembler nous ici, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui gagne l'autre, pour propager l'islam ouvertement. Là, il monte la montagne, colline Safa. Fin dire ban arabe qui je dire si me dire comme ça derrière sa montagne là il en l'homme peut venir attaquer je est-ce qui je peux croire dans moi ban a dit ma jarabna fika kadiban jamais nous fin connaît qui te cause menti il dit la ilaha illallah muhammadur rasulullah alors qui appelle tout ban arabe et même ban qui pas capable venir pour ce moment là de d'envoyer ban représentant pour venir écouter message le prophète alors Abu Lahab parmi ban qui t'y venir et les il fin trotan sa parole là il prend pour une première poussière il fin envoie dans figuier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah fin modili tabat yada abi lahab wa tab fin révèle une sourate net loli y compris ce madame qui peut faire dito le prophète qui peut mettre piquant dans ce chemin. Alors tu peux veiller le prophète à on va dire, veiller des prêts. Et là, il trouve, là, il entend la lumière, le prophète a été levé, et il n'y a pas de wahi, et il n'y a pas de levé, il peut dormir.
Alors, il finit connaît qu'il est prophète dans la panique. Alors, il dit, il vient avec le prophète, il dit à ce madame, qui Allah fin dire Hammalat al-Hatab, qui peut s'envoyer 10 bois dans 10 fait l'enfer, pour aller me 10 fait l'enfer. Il dit avec le prophète, te bon Dieu, il quitte toi, te gonner fin en colère avec toi. Alors, dans cet événement, dans ce moment difficile que le prophète était, il n'a pas pu gagner Wahi. Elle n'est pas connue qu'il est pour faire, c'est un coup de là. Ce tchati qui vient, comment dire, continue, peste de lui encore, peut dire, un banap, pour Allah quitte-toi. Le prophète plie dans panique encore. C'est à ce moment-là, Allah révèle sa surah, wadduha, wallayli ida sadia, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, te rabb pas fin quitte-toi, ni fin en colère avec toi. Allah, pas fin quitte-toi. Allah n'est en colère avec toi. Il y a une sagesse derrière qui fait le prophète Allah, pas fin envoie, wahi, pas ne révèle wahi pendant un certain temps. Il y a plusieurs riwayats, là, comme étant qu'il n'y a pas de wahi, il y a déjà 6 mois, il y a déjà 2 ans, il y a déjà 2 ans et demi, etc. Mais seulement un moment qu'il n'y a pas de wahi. Et après ça, Allah peut consoler le prophète, dire comme ça, nous pas fin quitte-toi, nous pas nous la même, nous pas en colère avec toi. Là, il fait une sa plus grand conseil qui existait là. Il dit à lui, « Wa l'al-akhiratu khayru laka minal oula. » Wa l'al-akhira. Akhira, khayr, meilleur, minal oula, de premier. Ça veut dire, ça la vie dans sa dunya là. Akhirat, meilleur qui la vie dans sa dunya là. Chers frères et sœurs, peut-être, ou papa capable, réalise sa conseil qui Allah peut donner là. Mais si on assise ou réfléchit, qui comparaison entre akhirat avec dunya, qui tu peux faire? Qui comparaison qui est entre akhirat avec dunya? Un parmi les comparaisons, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: "Law kanatil dunya ta'dilu janaha ba'uda ma saqa al-kafir shurbatama." Si sa dunya là ti vaut en les ailes en moustique, en non musulman pas ti pou gagne en verre de l'eau avec Allah. Allah pas ti pou donne zot boire. Simple en simple affaire, mais sa dunya là pas vaut rien. Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dire un moustique, nous connaissons quand c'est un moustique qui vient là, nous tuer, puis donc une valeur. Et Allah, le sallallahu alayhi wa sallam, peut montrer encore qu'il n'y a pas de moustique, pas délaisser le moustique, un laisser un moustique, puis une valeur. Puis donc une valeur pour Allah. Ou prendre ça, laisser le moustique là, après prendre dunya, ou mettre dans le balance, ça, laisser le moustique là, devant Allah, il n'a plus de valeur. À cause de ça même, ben, nos musulmans, qui peut adorer un autre apporte Allah. Quand Allah donne une autre faveur, alors pour Allah, pas fait dire non, ça. Allah peut donner une autre toute bonne faveur qui est là, la vie, peut donner une autre richesse, donner une autre la santé, donner une autre pouvoir, etc. Pour Allah, pas fait dire non, ça. Parce que sa dunya là, pas vaut non. Si sa dunya tient la valeur, sa croyant là, sa iman dar là, ça dit qu'il y a iman, ta croix, les tu peux vivre bien parce qu'Allah pourquoi Allah quand compte en nous, lui donne nous quelque chose. Lui compte en nous, oui, mais seulement il connaît que sa dunya là peine aucune valeur. Peine aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un autre hadith concernant la comparaison en dunya avec akhirat. Il dit que sa dunya là il paraît comme un parmi eux yada isba'ahu fil yam. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجَى. Comme on dit, quelqu'un qui fait mettre sur les doigts dans la mer, après ça, il tire sur les doigts, qui restait? Et c'est une goutte de l'eau. Et ça, la mer là, l'océan, c'est akhirat. Sa goutte de l'eau là, c'est dunya. Pas capable de faire comparaison entre dunya avec akhirat. Qui fait? Parce que ça, le monde là, un des mondes qui peut vivre sur la terre là, combien de temps ils vivent? Maximum le temps. Maximum capable 100 ans. Et quand il arrive 100 ans, il crée le la gazette partout, 100 ans. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit « Amar ummati ma bayna sittini wa sabayin » Mon ummat pour vivre entre 60 à 70 bananes. Bien tigine qui dépasse ça. Ça veut dire quand on peut gagner, après 70 ans, c'est un bonus qui on peut gagner avec Allah. Paye un bonus, ça veut dire si on dépasse ça, ben l'azan, comment on se préparer? Mais si arrive un dimanche, on arrive 100 ans.
tout le monde pour cause dit la gazette pour mettre mettre 100 ans dunia mais akhirat combien temps pour mettre combien temps combien qui chiffre pour mettre pour akhirat 100 ans dunia akhirat combien Allah veut dire khayr wa abqa akhirat khayr meilleur wa abqa pour tous les temps indéfini pas capable de compter pas un chiffre qui nous capable de mettre alors si nous mettons 100 là-haut après nous mettons un tiré divide, divisé par en bas qui chiffre qui nous mettez n plus combien zéro n million n milliard n billion pas qu'à compter mais dans mathématiques un mathématicien connaît si nous prenons 100 nous prenons un chiffre après nous mettons en bas un chiffre indéfini il est égal qui était est égal zéro zéro ça veut dire au terme mathématique même ça dunia là veut dire zéro pas de valeur pas d'aucune valeur. Et l'islam peut montrer, et nous pouvons vivre. Ça dit qu'on peut vivre 100 ans la même. Est-ce qu'il y a une misère quand il arrive après 50 ans, 60 ans? Soit qu'il y a douleur, malade, problème. Puis il y a rien dans cette dunia là. Ça dit qu'on est plus riche là. Comment il peut vivre? Nous connaissons là-bas, il y a des gens racontés qu'il y a les rois. Il peut vivre actuellement, il peut vivre la moitié de l'estomac. Ce gars de manger, la moitié, il a tassé. Il y a les rois, ils ne sont pas capables de manger toutes les choses. La viande, ils ne sont pas capables de manger. Ils ne sont pas capables, quand ils ont envie, d'aller. Ça, dunia là, il y a une prison, ça, pour un croyant. Ça veut dire, même qu'ils ont aussi pu amuser, ou pas pour amuser dans sa dunia là, mais akhirat, khair, meilleur. Qui est dans l'akhirat? Il y a djannat. Qui est dans sa djannat là? Chers frères et sœurs, un moment de réflexion, la ramadan là, un moment de réflexion. Qui ça, akhirat là, c'est quoi ça? Qui n'a pas akhirat? Et n'a jannat avec l'enfer. Que tu peux choisir? Qui vous choisirez où? Vous pouvez choisir jannat ou bien vous pouvez choisir l'enfer? Chaque minute, chaque seconde, vous pouvez vivre la terre. Qui vous peut atteindre? Et ça, c'est une vision incroyable. Vision incroyable, quand il vit vivre la terre, c'est l'ibiatan gain, ridallah wal jannah. Que ça même Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous un grand doigt. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Ou Allah, je vais demander toi ta satisfaction avec jannat. Ou Allah, je vais demander toi ta satisfaction avec jannat. Ça, c'est vision incroyable. Sa phrase qui nous peut dire, Oula, chers frères, et cher, vision incroyable, l'eau la terre, c'est satisfaction Allah et Jannat. Pareil comme dans tout bonne compagnie, ministère, dans bonne industrie, dans bonne entreprise, je te mets mission vision statement avec mission statement. Qui fait pour tout ça du monde qui travaille dans l'entreprise là, je t'aille dans sa direction, sa vision là. Pour je trouve lui tous les jours et je te m'asiner pour je travaille dans sa direction là. Et vision, c'est une chose long term, activement, une chose qui peut arriver bien loin, ça. Alors, où nous missions, nous visions la terre, c'est Jannat. Si un musulman, vraiment, il a une valeur, cette chose-là, il peut travailler la nuit, les jours, dans la case, écrire, lire, faire aux enfants connaît, faire tout le monde connaît, demande, pose sa question-là. Pareil comme on a posé cette question, demande cinq piliers de l'islam, demande bandimoun, qui vision un musulman de la terre, propage sa message là, même si nous terminons nos programmes aujourd'hui, ou pas retenir tout ce qu'il nous finit dire, mais au moins sa phrase là, sa vision là, propage-le. Vision un croyant, c'est gain, satisfaction Allah et Jannat. Vision un croyant, un mukmin, c'est gain, satisfaction Allah et Jannat. Allô? Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit sa conseil là avec Rasul avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on valeur sa dunya là vis-à-vis akhirat. Ça veut dire, ô messager d'Allah, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui peut arriver toi, ça est banal. Quand ces difficultés te peuvent gagner, pas casse la tête avec ça. Wal akhiratu khayrun laka min al-ura. Prends patience. Parce qu'une petite chose qui peut attendre toi, c'est akhirat. Nous tous, le latin, nous connaît sa vitesse qui sa dunia là, puis aller. Nous prenons juste un seul
quelque chose. Sa dunya là, c'est une étape d'un akhirat, une étape dans la vie, ça. Nous t'y vivons dans l'étape quand nous t'y devant nos mamans. Après ça, nous pouvons vivre le dunya. Après ça, nous pouvons vivre une autre étape encore qui s'appelle barzakh. C'est ça l'étape barzakh là, même si nous réfléchissons là. Qui nous l'est dans sa barzakh là, c'est-à-dire dans kabar. Combien de temps nous pouvons vivre dans kabar? Nous pouvons vivre 50 ans, le latir. Barzakh là, combien de temps ça? Ben, dis-moi qu'il reste Maurice même, qui vient depuis le premier. Ben, premier, dis-moi qu'il vient Maurice. Comme étant, je suis dans Barzakh là. Qui n'a pas plus que 500 bananes. 500 bananes dans Barzakh. Alors, est-ce que, si on est intelligent ou pas travaille pour ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, qui c'en a qui est intelligent? Qui c'en a qui est intelligent? C'est un qui est malin. Un qui est malin, c'est lui qui a un casse beaucoup. Un qui est intelligent, c'est lui qui finit arrive et a un bel certificat. Un qui est malin, c'est celui qui a une belle poste dans la société. Un qui est malin, qui réussira ma quantité richesse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. Un intelligent, c'est lui qui fait une maîtrise. Il fait une maîtrise aux passions et il fait un travail pour akhirat. Après, sur l'amour. Wal-Adiz, un qui est incapable, mais un qui est incapable, c'est-à-dire un dimon qui n'est pas capable, man ittaba hawahu wa tamanna ala Allah. Un qui suit ce désir et il attend Allah qui peut pas donner, Allah pour donner Jannat, il ne dit pas. C'est non, moi correct, Allah ghafur rahim. Non. Ou intelligent, ou travaille, ou faire des efforts. Allah pour être ou des efforts qu'il peut faire. Fasayar Allah ou amalakum. Allah pour guette ou amal ou action qui vous peut faire le latir. Zéfo qui vous fait, ou sacrifice qui vous fait. La matin, on levait un matin. Sacrifice qui vous fait, on levait un tahadjoud. On fait série. Pas avec un manger, mais c'est moi, on peut fausser, on peut manger. On peut garder rosa, rester sans manger. Là, on peut assister à l'air au-delà de dimanche. Tout le monde, si content, reposer un tigine, on peut écouter causerie. Allah peut guette ou action. Est-ce que cette action-là, elle permet nous, vous pouvez travailler pour akhirat? Est-ce qu'il vous peut aller vers direction ou vision? Chaque minute, chaque seconde. Alors, nous avons ancêtres, nous avons salaf ou salaf, qui connaissent la valeur ou l'akhiratu khayru laka min al-oula. Pas nécessaire, il y a une belle intelligence pour comprendre ça, cette chose-là. Une fois, un parmi les tabi'i qui appelle Ata. Et les fins de juin, Abdullah bin Abbas, c'est un grand alim, un savant de l'islam. C'est même à l'époque les prophètes, je tiens en cause enfant. Alors je vive avec le prophète, je n'emprunte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Abbas dit avec Atta, est-ce qu'il ne m'a pas montré quelqu'un, ne m'a pas montré toi quelqu'un qui fait une gain djannat, qui est capable d'un passeport djannat. Ça n'a qu'à dire un tel pour être dans Jannat ou bien il pour être dans l'enfer. Malheureusement, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont donné ce passeport là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut dire Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Toi, tu n'es pas capable de guider ce qui te voulait. Allah guide ce qui lui voulait. Alors, si guidance, tu n'es pas capable dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Jannat, comment il est capable de dire un tel pour être dans Jannat? Qui garantit qu'il est capable de donner? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il peut sa power pour donner le passeport de Jannat, pour donner la clé pour dire que le monde est Jannat. Alors, Zis, quand il peut connaître ça, c'est faut dire Allah finit une forme. Alors, Allah finit une forme, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça dit que le monde est Jannat, et Abdullah bin Abbas finit en dire. Qui ça dit que le ça? C'est une madame. Une madame qui n'est pas pareil comment man, les autres ban madame qui a connaissance des dînes, une madame qui a bel grade dans la société, une madame qui peut proposer d'awa, une simple dimoun, qui dimoun pas prend lui même compte, dimoun pas même prend lui compte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, et Abdullah bin Abbas fait entendre que cette madame-là habite en paradis, et Abdullah bin Abbas peut dire ça à tort. Qui est histoire cette madame-là? Madame là, si elle est malade, comment l'épidémie comme ça? Ou bien il y a une différence entre ben riwayat. Ça veut dire si malade, qu'il peut perdre connaissance, il peut trembler jusqu'à lui tomber.
Et quand il est tombé, il n'y a pas de place capable d'arriver ce malade-là, capable de sur la case, des hauts, l'olari, devant 10 mouns. Et quand il est tombé, il a les kimé comme ça, il a fait ce linge sorti depuis le séléco. Alors, il vient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ben, madame, l'époque longtemps, tu as beaucoup de haya, tu as beaucoup la honte. Pas pareil comme à 10 jours. Alors, il vient que le prophète dit oh, le messager d'Allah, je suis tel malade, demande-toi avec Allah pour Allah demander ma guérison. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça si tu veux me faire droit pour toi gagner guérison, oui. Mais seulement, moi, je peux dire à toi, prends patience et tu peux gagner Jannat. Prends patience de sa malade là et tu peux gagner Jannat parce qu'il doit le prophète, se doit pour accepter. Madame là, bon, je dis à toi, là, il n'y a pas de monde qui a une belle intelligence. Mais seulement quand il fait une tante Jannat, quand il fait une tante Jannat, il y a une autre petite chose. Alors, madame là, avec réflexion, il dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je choisis pour gagner Jannat. C'est-à-dire qu'il choisit qui veut dire ça veut dire dunia n'est pas pour gagner. Qui peut arriver, il est malade. Il est malade, il est malade, il est tombé, l'épidepsie, il est kimé, le chemin, etc. Alors, il n'est pas pour gagner dunia, il peut gagner dunia là. Mais seulement, il connaît, il prend patience pour sa dunia là. Une grande chose qui peut attendre, c'est Jannat Akhirat. Alors, madame là, dit le prophète, moi, je prends patience, Inch'Allah, je gagne Jannat. Alors, après un petit moment, madame l'a dit avec le prophète, mais une seule request, une seule question me demande où, c'est au moins qui, quand vous tombez, pas laisse-moi découvrir. Parce qu'ils ont une haya, ils ont une la honte, ça va dire mon là. Alors le prophète, il fait sa qualité de là pour lui, et madame l'a, il continue, gagne sa malade là, mais seulement, il va découvrir cela, il va sortir de ce l'écho. Et Abdullah bin Abbas peut dire, avec Ator Getsa, madame là, c'est un habitant paradis, un simple dimoun qui fait parce qu'il wal al akhiratu khayrul laka min al oula. Il fin connaît qui akhirat meilleur qui sa dunya là, alors il accepte sacrifier dunya pour gagner akhirat. C'était nous, chers frères et sœurs, comme conseil qui, après qu'il nous finit écoute ça exposé là, tous les jours 24/7, il a dans nous la vie, il a tout l'aider. Il y a dunya et il y a akhirat. Il y a jannat et il y a l'enfer. Nous lever depuis le ramadan, nous lever. Quand nous les aller, c'est nous qui prenons cette décision-là. Pas nos mamans, pas nos papas, pas nos frères, nos sœurs, nos imams qui prennent des décisions pour nous. C'est nous quand nous pouvons faire une action. Avec nous la main, nous les pieds, nous la bouche, nous les yeux, nos oreilles. Chaque mouvement qui nous peut faire, chaque seconde, chaque minute qui peut traverser dans nous la vie, c'est nous qui pouvons décider quand nous les aller. Nous les prenons en direction de Jannat ou bien l'enfer. Devant nous, il y a un choix. Tous les jours, Allah envoie un test. Un matin, nous lever, Azan peut donner. Soit nous continuons couverts avec nos moltons, ou bien nous découvrir, nous lever, nous vînes masjid. Si nous ne récitons pas ce molton-là, alors nous ne vînes masjid, alors nous prenons le chemin de paradis. Mais si nous continuons couverts, nous, c'est-à-dire nous servons, nous prenons l'autre chemin. Quand nous venons faire la masse, nous venons la case, nous faisons une nasta, nous pouvons sortir, nous faisons le travail. Dans notre travail, il y a des petites choses. Dans tout travail, il y a Jannat, il y a l'enfer. Qui vous fait? Qui choix qui vous prend quand vous êtes dans le travail? Il y a un travail, une petite chose peut venir, il y a l'enfer là-dedans. Il y a bribe pour donner. Il y a pour cause mentir. Il y a pour faire trick dans le business. Il y a besoin d'un faux papier bien faire. Qui vous fait? Vous choisirez où? C'est où qui vous choisirez là? Personne ne peut pas choisir ça pour vous. Ou choisir, pareil, comment ça, madame, la fin, sacrifier lui pour lui gagner Jannat, ou bien vous pouvez dire que ça va ça va là, puis arriver, mon voisin est arrivé, bon, moi aussi, moi, besoin d'arriver pareil comment lui. Qui m'a besoin de faire, n'importe qui moyen, moi, pour servir, une fois, moi aussi, moi, arriver pareil comment lui. Mon camarade peut voyager, lui, ben moi aussi, moi, besoin de voyager. Alors, moi, je suis capable de voyager à travers halal, même haram, pas de problème. Une fois, moi aussi, moi, voyager pareil comment lui. Afin que je trouve, moi aussi, je peux mettre belle linge, je voyage dans belle loto, je peux mettre la case, je peux mettre un campement, etc. Alors, choix où, frère? Dunia là, comment nous ne trouvons pas vos nornies ça? Dunia quelques jours, dunia peut la valeur, dunia demain on peut quitter. Et nous tous connaissons cette chose là. Mais c'est même malheureusement, nous pas assez réfléchi et nous travaillons pour, comment les prophètes disent, qui un dimon qui est intelligent, il travaille pour son akhirat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réussir, comprendre sa
ayat Coran que Allah peut dire walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Après ça, tout de suite Allah peut dire wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah vous donne toi quelque chose qui vous pour satisfaire dans dunya même et dans akhirat. Un croyant, Allah donne lui un devant plus grand quelque chose qu'il gagne avec Allah, c'est quoi? Tranquillité les cœurs, tranquillité l'esprit. C'est un plus grand faveur Allah qui donne un dimoun, il vive avec tranquillité. Même les capables de tigin richesse, les natigin quelque chose, mais c'est mal, il peut vivre avec un tranquille. Et Allah donne ben croyant sa tranquillité là. Et Allah peut dire qu'il vous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui vous satisfait dans dunya et dans akhirat aussi. Alors nous c'est pareil, si nous prenons ce conseil là en considération, nous prenons conseil Allah en considération. Après ça, Allah peut de nous garantir et te vous satisfait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réussir, comprendre sa conseil là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense nous et Allah pardonne nous nos péchés et rassemble nous dans ce paradis pareil comme il rassemble nous ici dans sa place là. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.